Farine, sel, beurre, cassonade, 2 œufs, des pépites de chocolat, du glaçage. Mettez 375 ml de farine dans un bol, déposez-le dans un bocal, ajoutez 2 pincées de sel, 250 ml de cassonade, ajoutez-le dans un autre bocal, ajoutez 180 ml de beurre fondu, 30 ml de sucre, et ajoutez le tout afin d'avoir un mélange homogène. Un œuf et un jaune d'œuf. Ajoutez-le au mélange et agitez afin d'avoir un mélange homogène. Ajoutez-le à la farine et au sel et agitez encore une fois pour obtenir un mélange homogène. Ajoutez 195 g de pépites de chocolat et ajoutez le tout. Déposez une heure ou plus au réfrigérateur. Vous pouvez maintenant faire des biscuits de la grosseur de votre choix sur une plaque préalablement graissée au beurre. Et déposez-les au four à 375 Fahrenheit, de 8 à 10 minutes. Et voilà, vous avez des biscuits super bons et super tendres, délicieux. Vous pouvez aussi faire des motifs de votre choix avec un glaçage. Personnellement, j'ai choisi de faire des petits cœurs roses pour la Saint-Valentin. Vous aurez besoin d'huile d'olive et de chocolat noir. Déposez 3 carrés de chocolat dans un bain-marie. Ajoutez 15 ml d'huile d'olive. Et faites fondre le tout à feu doux. Ajoutez bien le chocolat afin qu'il soit bien fondu. Une fois que votre masque va être refroidi, appliquez-le à votre visage et vous allez voir, ça donne une peau super douce, super resplendissante. Si vous êtes comme moi, vous allez vouloir écouter un film d'amour très cliché. Donc j'ai choisi d'écouter Les pages de notre amour. Si vous êtes plus une lectrice, je vous conseille le roman Nos étoiles contraires, très bonne histoire d'amour, très touchante.